Konnichiwa, c'est Kuze, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 2, donc Pirate Warriors 2, donc qui dit Pirate Warriors 2 dit Kaizoku ni ore wa naru. Donc voilà, tout simplement. Il y avait un concept que j'avais envie de faire, mais en fin de compte, je suis pas vraiment dedans pour le faire. Donc on va continuer en faisant des petites vidéos normales sur sur One Piece. Hein, pourquoi changer alors que ça vous plaît? Jamais demande. Donc, je pense que vous l'avez remarqué, donc je suis en face commentary, donc parce que j'ai acheté récemment une webcam HD en fait, pour les lives principalement. Et puis voilà, du coup, ben j'avais envie de la tester en vidéo pour voir la qualité. Et voir si ça vous plaît en même temps. Donc on fait une petite partie en ligne avec Miyok. Miyok qui est un personnage très cheaté, disons, enfin je sais pas si on peut dire vraiment cheaté dans le sens de jeu coop en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment comme des autres personnes en ligne en fait. Donc bon, au final, on peut pas vraiment dire que c'est cheaté, mais il est très efficace, voilà, disons ça comme ça. Donc alors, toi t'es fait. Au passage, désolé. Si vous n'avez pas vu, tout simplement, bon, tu commences à me cacher toi. Vers la bannière, il y a des liens Facebook, etc. Et puis vous avez remarqué que normalement il y a un lien de jeuxvideo.com. Donc pourquoi il y a un lien de jeuxvideo.com? C'est tout simplement parce que j'ai passé un contrat avec eux et que tout simplement je vais faire des lives sur ce site à partir de, je sais pas, je dirais la semaine prochaine. Il y aura des lives sur ce site toute la semaine à peu près. Enfin voilà, ce seront des lives. Il y aura toujours des lives sur Twitch TV. Donc comme je l'ai dit dans le dernier live, si vous étiez pas là. T'as décidément la gorge aujourd'hui. Comme je disais donc, il y aura des lives tous les vendredis à 20h. Et il y aura une rediffusion sur YouTube le samedi. Donc le vendredi il n'y aura pas de vidéo parce que je ferai le live le soir. Et donc le samedi la vidéo ce sera tout simplement la rediffusion du live d'à peu près 2h que j'aurais fait le vendredi soir. Donc voilà. À peu près tout ce que j'avais à dire pour les nouveautés de la chaîne à peu près. Après vous dire, voilà, évidemment qu'il y a bientôt le let's play de Hajime no Ippo qui va pas tarder à arriver. Et au passage, je me disais, si ça vous plairait, bon, c'est pas vraiment dans l'univers manga, mais ça reste à peu près dans le japonais. J'ai commandé Super Smash Bros. Wii U. Et si vous voulez une ou deux vidéos, parce que je ferai beaucoup de live dessus, je pense, mais après les vidéos, voilà, je resterai un peu sur le domaine de ma chaîne. Du coup, si vous avez envie de voir une ou deux vidéos de moi bah, sur ce jeu, bah, dites-le-moi dans les commentaires tout simplement, et puis on verra ce qu'on pourra faire. En plus, s'il y en a d'entre vous qui ont le jeu avec la Wii U, eh ben, on pourra tout simplement se faire des parties ensemble, donc ce sera assez cool. Toutoulou. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour le territoire ennemi? Attends, il est où? Je suis en train de regarder sur ma carte territoire ennemi. À mon avis, il faut monter en haut. On va y aller. Parce que je sais pas ce que fait notre coéquipier là, mais... Oui, il est en bas, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Hein. Ouais. C'est pas grave. Allez, on y va. Vous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est passer de l'autre côté. Ah, vraiment, j'ai la gorge qui commence à s'enflammer, dis donc. Alors. Alors, allez, la deuxième TS de Miyok. Allez, hop. Imitation de l'épée parfaite. Alors, au passage, dites-moi si vous trouvez bah, du coup la webcam de belle qualité. Bref, vous m'avez compris de toute façon. Et puis voilà, tout simplement, hein, autant trouver un sujet de conversation, parce que je sais pas vraiment de quoi parler à l'heure actuelle, parce que bon, ce jeu, on l'a un peu torché, on le connaît tous à peu près par cœur. Donc bon, au final, dire de plus, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire voilà, et n'hésitez pas à me conseiller des jeux manga aussi, hein, mais à part des trucs du genre Dragon Ball Z, Tenkaichi 3, Naruto, One Piece, voilà, des jeux originaux que pas beaucoup de personnes n'ont fait. Genre, j'en sais pas, ça peut être des opus PSP, je sais pas, Nintendo DS, j'en sais rien. Mais des trucs que personne n'ont fait, ce serait assez sympa à réaliser. Parce que j'en cherche, hein, mais je trouve pas vraiment. Donc c'est un peu chaud. Allez hop, donc là on y va, on va se mettre un petit peu en mode éveil pour terrasser tout ça. Hop là. Voilà, donc là le petit rond pour terminer.
Le chef, je sais pas combien de fois je vais pousser, mais c'est pas grave. Allez, ça c'est fait. Donc normalement, la porte de Garp devrait s'ouvrir. Parce qu'on a défoncé tout simplement le... Bah le monsieur... Allons-y. Prends le territoire ennemi, on l'a fait monsieur. Donc bon, voilà. Alors... Voilà, donc mission terminée, donc la porte va s'ouvrir, on va y aller. Oh non, toi tu dégages toi, non. Moi je fais la mission en rush, hein. Garp, on sait qui tu es. Donc au passage, toujours pas de nouvelles de One Piece Pirate Warriors 3. J'espère revoir des news bientôt. Ce serait assez cool. Donc au passage aussi, je vais essayer d'arranger un concours pour vous. Pour Noël, je vais essayer de bah voilà, de choper des jeux par-ci par-là pour vous les faire gagner pour Noël. Ce serait assez sympa pour vous, surtout après tout ce que vous faites pour moi, parce que après tout c'est grâce à vous que j'en suis là maintenant. Donc bon, je ne vois pas pourquoi j'essayerais pas de me donner un peu de mal pour vous, vous voyez. Alors Garp, on va défoncer la tronche. Baggy qui défonce Garp, on aura tout vu, hein, franchement. Allez hop. Et voilà, tu es bientôt fini. On va te finir avec la première PS, hein, y a même pas besoin de faire la deuxième. Et voilà, donc la victoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à ma chaîne AMV. S'il y a des nouveaux qui connaissent pas encore ma chaîne AMV, ben j'en ai fait une qui est dans la description et dans la subbox, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter, Facebook, etc. Twitch TV pour les lives, et n'hésitez pas à regarder. j'y vais essayer de temps en temps pour voir si je fais des lives. De toute façon, normalement, j'annonce sur Twitter ainsi que Facebook quand je fais des lives, donc il n'y aura pas de problème. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.